Vous regardez M6 Info. Son retour à Manchester est un événement. Neuf ans après son départ, c'est sous les couleurs de la Juventus que Cristiano Ronaldo foule à nouveau la pelouse d'Old Ici, il se sent comme à la maison et n'hésite pas à le dire sur Twitter. Mais il ne s'attendait peut-être pas à cet accueil moins chaleureux des journalistes, qui très rapidement l'ont confronté aux accusations de viol qui pèsent sur lui. Je sais que je suis un exemple à 100% sur le terrain et en dehors. Je suis toujours souriant, je suis un homme heureux, j'ai une famille fantastique, j'ai quatre enfants, je suis en bonne santé. J'ai tout ce qu'il faut. Le reste ne me perturbe pas. Imperturbable Ronaldo. Début octobre, Catherine Mayorga, une américaine de 34 ans, porte plainte pour un viol qui aurait été commis il y a 9 ans dans cet hôtel de Las Vegas. L'ex-mannequin rompt ainsi un accord de confidentialité signé avec le footballeur pour 320 000 euros. La star portugaise reconnaît bien une relation, mais consentie. Rien qui, selon lui, ne vaille la peine de s'inquiéter. of course je ne vais dans cette situation, je ne vais pas mentir. Mes avocats sont confiants et bien sûr, moi aussi. Bien sûr, la vérité vient toujours en premier. Ces accusations n'ont semble-t-il pas affecté les performances du footballeur ni ses revenus publicitaires. Ses sponsors disent suivre l'affaire de près, mais aucun n'a pour l'instant lâché le portugais. La preuve clinquante à son poignet hier, une montre à 2 millions d'euros composée de 424 diamants d'une marque d'horlogerie dont il est l'ambassadeur.